Comment t'es arrivé sur la 7ème compagnie? À pied. Ben, je suis arrivé, c'est que je tournais beaucoup à la Gaumont à l'époque. Je faisais pas, avec Lautner, je faisais pas mal de films. Et un jour, il y a le Poiret, qui était le directeur de la Gaumont, qui m'a appelé dans son bureau, qui m'a dit, voilà, comme tu tournes pas mal chez nous, tu vas remplacer Aldo Machian dans la deuxième, septième compagnie qu'on va faire. Alors, j'ai dit, moi, je ressens pas du tout Aldo Machian. Je sais pas, je sais pas l'accent italien, je joue pas comme lui. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas grave ça, tu fais comme tu le sens et puis ça ira très bien. Ouais, je me dis, ils sont un peu légers. J'y croyais pas trop. Je disais les deuxièmes, tu as les reprises. Généralement, c'est un film qui a bien marché. Si on en fait un deuxième, ça marche pas forcément. Mais j'aimais bien Robert Lamoureux quand même. Je trouvais qu'il écrivait bien et tout. Je lui dis d'accord, ok, je vais le faire. Pourquoi Machian avait été viré? Je passe par où là? Non, vas-y, c'est en face là. Ouais. Il s'est pas du tout entendu avec Robert Lamoureux. C'est vrai? Oui, un jour il s'est engueulé complètement, c'était dramatique. Et avec son costume de soldat de la guerre de 39-40, il est parti, il est entré à Paris, il a pris le RER, il est parti. C'est pas vrai. C'était pas le RER, c'était le train. Non, c'était le RER. On tournait dans la région parisienne, ça se tournait dans cette. Ah ouais, il a pris le RER en costume, il s'est barré. En costume, ouais. Il avait laissé le fusil. Hein. Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef. Pour la nage comme vous faites là, la main, c'est comme ça ou comme ça? La main au sifflet et vers l'extérieur. Ça va, moi, les mains, chef? Quand on lui a demandé pour la reprise, en plus de ça, il a trouvé que la solde n'était pas assez importante à son la solde, le paiement, le contrat, ouais. Son cachet. Alors bon, donc on m'a demandé à moi de faire le rôle. Et comme j'avais une solde, j'étais moins cher, certainement. Donc, Et à Poiret, tu lui as dit, alors tu lui as dit, est-ce que je pourrais être augmenté? Oui, à Poiret, je lui ai dit, moi, je pourrais peut-être être augmenté, avoir des jours de tournage. Et là, Poiret, j'ai vu son œil, il s'est rempli de tristesse. Comme si, il y avait un bouleversement intérieur dans sa vie. Et très calmement, il m'a dit, écoute Henri, tu sais qu'ici, avec nous, tu es dans le couloir, tu es dans le corridor, tu es dans le corridor du vedettariat. Alors, sois un peu patient. J'ai attendu. Ce corridor, mon vieux, est d'une longueur. C'est un tunnel, on ne voit pas le bout du tunnel. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai été engagé pour jouer dans la 7ème compagnie. Dans les jardins de mon père, les lauriers sont fleuris. Tiens, faut que j'aille cuisser. Tous les oiseaux du monde viennent faire leur... Groupir. Il faut reste groupir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit groupir. Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble. Groupir. Ah, groupir, ça veut dire ensemble. Ah ben tu vois, je suis déjà un mot. Groupir. Yaya. Groupir. Moi, comprir. Henri Guimet. Groupir. Groupir.